Viens, Marie. Mais pleure pas. Qu'est-ce que c'est? Ne pleure pas, ma poupée. Je vais te venger. Eh oui, il va te venger. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Un type lui a manqué de respect. Manqué de respect, mais comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-lui, Maxinaz. Eh ben voilà, on a été à la fête foraine, et Marie est allée chercher une barbe à papa, et tout est de ma faute. Si c'est moi qui avais été chercher sa barbe à papa, eh ben rien de tout cela serait arrivé. Mais elle m'a dit qu'elle voulait pas, qu'elle adorait regarder la machine. Bon, elle est partie chercher sa barbe. Un garçon lui a dit qu'elle ressemblait à un jambon sur pâte. Terrible de dire ça de Marie. Maintenant, ça suffit, Marcinaz. Tu ne vas pas rajouter, hein? T'inquiète pas, ma poupée. Je vais te venger. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelqu'un qui pleure? C'est Maxinaz? Non. Lui, c'est pas grave. C'est Marie. La poupée, qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, un type lui a manqué de respect en la traitant de jambon sur pattes. Ah, bah. Oh, c'est trop affreux, je peux pas entendre ça! Fais attention, Lola! Je suis désolée, Marie, mais enfin, faut bien que j'explique ce qui se passe à Johnny. Mon Dieu! Oh, bah c'est bien ce qui me semblait. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Marie qui pleure et un type qui l'a traité de jambon sur pâte. Oh, tu vois, mon chéri, j'avais raison, j'avais bien entendu quelque chose. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Une manif? Mais non, monsieur Antoine, c'est la petite Marie qui pleure. Qu'est-ce qu'elle a? C'est grave? Bah non, pas trop, mais... Elle s'est fait manquer de respect par un garçon qui l'a traité de jambon sur pâte. Vous le faites exprès. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qui se passe ici? On peut plus dormir tranquille, enfin! Qu'est-ce que vous faites tout cela? C'est à cause de ta fille, belle maman. Un type lui a manqué de respect. Un satyre a insulté ma petite chérie? Oh mais non, mais... Oh non! Mais vous affolez pas, jolie tata! Il a juste dit que c'était un jambon sur pâte. Bon, c'est vrai que c'est pas drôle, mais enfin, il y a tout de même pas de quoi en faire une affaire. Ce type qui a insulté Marie, il fait partie de la bande de Jackie le Rouge! Jackie le Rouge? Comme je te l'ai dit, mon pote! Mais enfin, c'est qui ça, ce Jackie le Rouge? C'est notre pur ennemi! Un jambon sur pâte qui serait tombé dans un égout! Du jus. Ok, Jeanne Coucou, Jackie le Rouge, eh ben tu peux compter sur moi. Demain, nous vengerons cette insulte dans le sang. Bah, ça n'a pas l'air d'aller ce matin, monsieur Antoine. Oh. Au moins quand on me réveille de mon premier sommeil, après je ne peux plus me rendormir. Pourtant, quand je suis allée vérifier que toutes les lumières étaient bien éteintes après le départ d'Harry, je vous ai entendu ronfler en passant devant votre chambre. C'est pas possible, je vous ai dit que j'ai eu une insomnie. Ah, bah alors, c'était sûrement mademoiselle Anne. Enfin, tout ce tapage pour une réflexion de rien du tout. Tout de même, se faire traiter de jambon sur pâte. Et par un garçon de la bande de Jackie le Rouge. Bah enfin, qui est ce Jackie le Rouge, là? Vous le connaissez? C'est un monstre, sans cœur, sans loyauté. Laid, vulgaire, la honte du rock dégoulinant. Bonjour. Ah, bonjour ma chérie. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour Eugénie. Bonjour mademoiselle Lola. Tu es alors endormie toi ce matin? Oh bah évidemment, avec ta bande d'excités, on ne peut même plus dormir la nuit chez soi. C'est vrai qu'ils étaient dans un état. Ah. Oh bah, il y a de quoi, hein. Comme je disais à votre papa, se faire traiter de jambon sur pâte, bah, ça n'a rien d'agréable. Oh, écoute Eugénie, ce sont des choses qui arrivent. Les fêtes foraines, il n'y a vraiment pas de quoi en faire un drame. Ah, mais je suis pas d'accord avec vous, hein, mademoiselle Lola. Venant de la bande de Jackie le Rouge, ce sont des offenses qui ne se pardonnent pas. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour tante Marthe. Bonjour tante Marthe. Bonjour. Bah Antoine, t'as l'air bien avachi ce matin. Oh, oh rien. Un peu fatigué par les délires nocturnes de la jeunesse. Quel délire? Un homme manque de respect à ma fille? Ça me paraît une raison suffisante pour que toute la maison se mobilise. Alors là, vous avez tout à fait raison, tante Marthe, hein, parce que se faire traiter de jambon sur pâte, eh ben, c'est monstrueux. Oh, j'espère que mon gendre va venger ma petite Marie. Pas toi, tante Marthe. Comment pas moi? Oh, écoute, tu vas pas me dire que toute cette histoire t'a... Mais cette histoire, comme tu dis, est de la plus haute importance. Ma fille est insultée. Son honneur bafoué ne peut être lavé que par le sang. Oh. Tout ça est tellement chevaleresque. Alors, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous, tante Marthe. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour, tante Marthe. Bonjour, bonjour Lola. Eugénie. Bonjour, mademoiselle Anne. Vous avez bien dormi? Ah oui, très bien, Eugénie, merci. Enfin, sauf l'incident de cette nuit. L'incident? Vous voulez parler de l'épreuve de ma malheureuse fille? Oui, enfin... À propos, où sont-ils? Qui ça? Bah, Johnny et John Coucou. Ils sont déjà partis venger l'honneur de Marie. Attendez, il faut que tout le monde se calme et arrête de délirer. Une gamine de 18 ans se fait traiter de jambon sur pâte dans une fête foraine. Bon, bah, et alors, hein? Et alors? Mais comment peux-tu poser une question aussi bête, mon pauvre Antoine? Et je trouve que cette fille est ma fille. Et ta nièce, au cas où tu l'aurais oubliée. Nous exigeons réparation. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ils vont venger mon honneur. Oh, oh. Dites-moi, vous êtes sûr qu'elle doit venir? Mais oui, mais enfin, t'es pas resté suffisamment longtemps chez ta grand-mère pour oublier. Ça, c'est sûr que je n'ai rien oublié, et surtout pas Lola. Bon bah donc tu sais qu'elle se fait toujours attendre mais qu'elle finit toujours par arriver. Eh oui, et que le seul problème c'est de savoir quand et de quelle humeur. Mmh. Et après tout ce que vous m'avez raconté, ah bah, il s'en est passé des choses pendant mon absence. Voilà, hein. Bah... Enfin, ce qui compte, c'est qu'elle soit toujours là et toujours disponible. Mmh. Bonjour monsieur Eric, ça me fait bien plaisir de vous revoir. Ah, moi aussi Émile. Tenez, c'est pour vous. C'est pour moi? Merci. Oui, c'est mon cadeau de bienvenue pour votre retour. Je l'ai bien assaisonné, je crois que vous en avez besoin. Oui, c'est vrai que je suis un petit peu nerveux. Revoir Lola après une si longue absence. Je vous comprends. C'est comme moi quand je reste trop longtemps sans voir les femmes de mes pensées. Ah, mais c'est pour ça que vous êtes allé rejoindre madame Eugénie en Bretagne. Ah ouais. Non, 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 je ne sais pas. Qu'est-ce que je vous sers? Tout de suite, excusez-nous, voilà Lola. Enfin, arrêtez-vous, écoutez-moi. Vous êtes complètement fous, hein. Vous n'allez tout de même pas vous lancer dans une guerre des gangs parce qu'un pauvre garçon a dit 3 mots idiots à Marie pendant une fête foraine. Écoute, mon bébé d'amour, c'est une question d'honneur, ça ne se discute pas. Surtout quand il s'agit de la bande de Jackie le Rouge. Et on ne va pas laisser le violer notre femme, sans réagir. Enfin, Jeanne Coucou, ils l'ont pas violé. Non, mais il aurait pu. Si tu avais vu la manière dont il m'a regardé. Salut Lola. Ah, oh, Eric, tu es revenu. Salut Lola. Bonjour. Salut Lola. Ah bah écoutez, vous tombez bien. Dites-leur qu'ils sont complètement fous d'aller se battre contre une bande de voyous pour une petite phrase dite dans une fête foraine. Une petite phrase? Tu appelles ça une petite phrase? Non mais c'est quoi cette phrase? Te fatigue pas Lola, c'est des nazes. Eh bien, ils ont traité Marie de jambon sur pâte. Qu'est-ce que tu as l'allumé? Et c'est pas le plus grave. Ah bon? Et c'est quoi le plus grave? C'est un type de la bande de Jackie le Rouge qui lui a dit ça. Bah oui, qui c'est ça? Un monstre. La honte du rock dégoulinant. Oula. Ah, attendez, j'ai pas tout compris. Oh, moi non plus. De toute façon, moi, je suis d'accord avec toi, Lola. Ouais. Et moi aussi, d'ailleurs. Moi aussi. Hein. Vous voyez, ils sont d'accord avec moi. Salut. Ça y est, vous avez vu? Bon, j'ai eu un peu de mal à trouver le matos, mais ça y est. Je suis prêt. Excuse-moi, Marie, hein, j'ai pas pu venir te beurrer tes tartines ce matin. Mais tu comprends, fallait que je me prépare. Tu veux des balles? Je crois que j'en ai pris trop, là. Non, juste ce qu'il faut. Et toi, Johnny? C'est bon, je suis prêt. Encore un petit coup dessus pour l'aiguiser, et ça y est. Enfin, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, ça va mal tourner, cette histoire. Moi, je veux bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est vrai, ils sont déjà tellement pas faciles à contrarier quand ils ont les mains vides, alors là... Mais il a raison, ça devient criminel, là. Décidément, les garçons, on peut jamais compter sur vous, hein. Monsieur Émile. Oui, mademoiselle Lola. Vous avez vu? Comment ils ont fait pour se procurer tout ça? En tout cas, ils savent se débrouiller. Comme vous dites. Enfin, il faut faire quelque chose. Pourquoi? Comment, pourquoi? Enfin, ils sont armés. Ils vont aller se battre. Oui, bah, comme ça, ils auront plus de chances de sortir victorieux de leur combat. Moi, je trouve ça très bien que de nos jours, des jeunes défendent l'honneur d'une jeune fille. C'est pas vrai, mais pas vous, monsieur Émile. Johnny, il faut que je te parle. Plus tard, Lola. Pour l'instant, je ne suis plus Johnny. Je suis l'ami de Jane Coucou qui doit défendre son honneur bafoué. Oh bah, c'est plutôt mon honneur qui est en jeu. Bah, c'est vrai, c'est pareil. Mais il faut arrêter le délire, là. Les abeilles. Oui, Lola. Faites quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vous pouvez regarder si nos couteaux sont bien aiguisés. Bonjour, poussez-vous! C'est affreusement lourd ce que j'apporte. Ah, mes chers chevaliers, je vous ai apporté de quoi défendre votre honneur. Regardez-moi ça. Oh, bravo, maman. Merci, belle maman. Ce genre d'offense, ça se lave avec de l'acier. Oh. Mais tante Marne, mais où est-ce que tu as trouvé tout ça? Ah, je me suis souvenu que j'avais un ami colonel, un homme très, très gentil, mais très ennuyeux. J'ai pas pu rester avec lui plus d'un mois. Enfin, bref, je savais qu'il avait des vestiges de la guerre dans sa cave. Et alors, il m'a prêté tout ça, en souvenir de notre amour. Mais faites-y attention, hein, parce qu'il a bien commandé, il faut lui rapporter après, hein. Oui, oui, oui. Ah, bon, oui. Je vois un coucou. Je crois que c'est l'heure. C'est l'heure, Johnny. Allez. Toi, ma poupée, tu m'attends là. Dans 10 minutes, on aura lavé ton honneur. Oh, merci, Jane Coucou. Marie, à tout de suite. Allez, Jackie le rouge, un ou deux. Ouais. Allez. Oh, bah, c'est pas vrai, mais Johnny, mais sois prudent. Oui. Taillot. Allez. C'est vrai, mais tu sais très bien que Johnny en fait toujours des tonnes pour se faire remarquer. Exactement, au début on le trouve original, mais en fait c'est un fou dangereux. Et puis parler d'honneur bafoué pour une histoire de jambon sur pâte, pardon, mais c'est d'un gamin. Tu sais Lola, on savait depuis longtemps que c'était pas un type pour toi. Maintenant tu t'en rends compte, c'est l'essentiel. C'est dur, mais tu peux compter sur nous, on est là. Vous êtes vraiment nuls, hein. Moi je m'inquiète parce que Johnny prend des risques inutiles et vous me dégoûtez, tiens. Bah, moi aussi. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Lola. Monsieur Johnny est très costaud. Mon Jane Coucou aussi. Bon, Lola, tu as raison. Oui, en fait, nous aussi, on est inquiets. Tout ça, c'est de votre faute, d'abord. Pourquoi? Vous auriez dû y aller. Bah, attends, on voulait pas t'inquiéter davantage en y allant, nous aussi. Bah oui, on a préféré rester avec toi pour te tenir compagnie. Monsieur Émile, vite, j'ai besoin de serviettes. Des serviettes? Mais pourquoi faire? Mais décompresse! Mais Aristide, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, excuse-moi, j'ai pas le temps, ça chauffe! Oh, Harry, attends-moi, je viens avec toi! Viens! Quoi, des serviettes pour faire des compresses, vous avez entendu, mais ça veut dire que quelqu'un est blessé. Oui, mais bon. T'inquiète pas, c'est peut-être simplement Jane Coucou. Et ça doit castagner sec là-bas. Taillot! Vite! Donnez-moi des serviettes, y'a plus de compresses, vite! Mais tante Marthe, mais qu'est-ce qui se passe? Ah là là, j'ai pas le temps, ma petite Lola, j'ai pas le temps. Mais on se retrouve à la maison, c'est magnifique ce qui se passe là-bas. Tous ces garçons qui se battent pour ma fille. Talon ! Je peux pas laisser faire ça, j'y vais, moi. Attends, elle nous a donné rendez-vous chez toi. Oui, ça doit être fini maintenant. Et on ne sait même pas où le combat a lieu. Bon, allez, viens, on va chez toi, allez. Vous croyez ? Ouais, je pense que c'est mieux. Allez. On n'aurait jamais dû les laisser partir. Oui, mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Eh ben, les empêcher. C'est vrai que pour ça, il faut avoir un minimum de courage. Quelle heure est-il? 9h. 9h, mais il devrait déjà être là. Il a dû arriver quelque chose. Mais attends, Lola, pas forcément. Tante Marthe a bien dit qu'elle devait rentrer à la maison, non? Oui, mais ils ont peut-être eu un petit empêchement. Et si c'était un coup de couteau, cet empêchement? Alors là, je m'en mettrai jamais. Mais Lola, on est là. Ça, je sais que vous êtes là. C'est justement ce que je vous reproche. Si vous y étiez allés... Il y a du nouveau à la radio? Ouais, attends. Oh. 3 jeunes gens assassinés dans une bagarre. Ah, mais à Rio de Janeiro. Ça, normalement, il n'aurait pas eu le temps d'arriver jusque-là. Et voilà un petit zan. Ça va vous aider à tenir. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont bientôt arriver. Moi, je le sens. Qu'est-ce qui se passe? Oh, papa, c'est terrible. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de terrible? Ben voilà, Johnny et Jane Coucou ont décidé d'aller se battre contre Jackie le Rouge pour laver l'honneur de Marie et ils étaient armés. Quoi? Mais, oh, pour cette ridicule histoire de jambon sur pâte, mais... Et oui, et... Oh, je suis sûre qu'il a dû arriver un malheur et... Oh, c'est terrible. Oh, mais non, allez, calme-toi, voyons. Bon, mais, et vous? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Ben allez-y, ils ont peut-être besoin d'un coup de main. Mais oui, mais nous, on était là pour s'occuper de Lola. Maintenant, je suis là et je m'en occupe. Alors allez-y, vite. Ils ont peut-être besoin de vous. On va où? À la fête foraine. Il n'est peut-être pas trop tard. Allez. Dépêchez-vous. Ils sont complètement fous. Mais ils sont jeunes. Ça ne change rien, ils sont complètement cinglés. Mais enfin, mon chéri, calme-toi. Je suis sûre qu'il ne s'est rien passé. Ils ont fait semblant. C'est de la comédie, c'est tout. Ouais. Eh bien, si vous aviez vu les armes que tante Marthe a ramenées de chez son colonel, c'était pas de la comédie. Mais aussi, de quoi elle se mêle, celle-là? Ah, bah, tu vois, Eugénie, toi aussi, tu t'inquiètes. Eh ben, vous savez, mademoiselle Lola, moi, je commence à me demander si vous n'avez pas raison. Hein. Toute cette histoire pour un jambon à pâte. J'aurais dû empêcher tout ça en appelant la police. Ils auraient été inquiétés. Et alors? Il vaut mieux finir en prison qu'à l'hôpital. Et toi, tu aurais surtout dû me téléphoner. Enfin, papa, j'ai essayé, mais tu n'étais pas au bureau. Et Eugénie, vous auriez pu faire quelque chose pour calmer tout ce petit monde. Mais quand ils sont partis, ils étaient très calmes, monsieur Antoine. C'est en arrivant à la cafette que tout s'est déchaîné. Tiens, d'ailleurs, monsieur Émile, il était pour, hein? Il était pour? Oh, bah, ça m'étonne pas. Il est tellement chevaleresque. Ah, puis il est idiot, oui. C'est parce qu'il aurait dû faire quelque chose. Ah, Johnny! Ah, bah, enfin, vous voilà! C'est nous! Voilà les héros! Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a pulvérisés! Ouais. Archi, menu, en miettes! Il n'en reste plus! Ils ont été merveilleux! Oh, mais dites... Vous êtes blessé, vous? Ah oui, je suis tellement content. Une cicatrice que je vais garder toute ma vie. En souvenir du jour où j'ai lavé l'honneur de Marie. Montrez-moi ça un peu. Ouh, mais c'est un coup de couteau, ça. Ah, non. J'ai trébuché sur une boîte de conserve en sautant de joie quand Jane Coucou a mis un direct du gauche dans le genou de Jackie le Rouge. Et tante Marthe? Ah bah, elle est allée rendre son matériel à son colonel. Elle nous a dit que la petite promenade l'avait mis en forme, alors elle allait peut-être prendre le thé au jasmin en souvenir du bon vieux temps. Je rêve. Mais... Et les abeilles? Les nazes? Enfin, vous les avez pas vus? Bah non. Oh mon Dieu. Quoi? Mais ils étaient là-bas? Bah oui, je les ai envoyés vous chercher. On les a pas vus, nous. On tapait dans les tas, sans bien regarder. Mais on les aurait reconnus tout de même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Elisabeth, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah, mais j'avais dit que c'était pas une bonne idée d'aller là-bas, moi. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah, quand on est arrivé, ils étaient plus là. Il n'y avait plus que la bande de Jackie le Rouge. Oh. Tu veux dire ça qu'il en restait? Ouais, on a vu, hein. Ils avaient de beaux restes. Ils étaient tellement énervés qu'ils ont voulu se passer les nerfs contre nous après la déculottée que vous leur avez mis. Ça, pour se passer les nerfs contre nous, ça, ils se les sont passés, hein. Oh, mes pauvres chéris. Eh, vous avez entendu? Elle nous a appelés, mes pauvres chéris. C'est merveilleux. C'est le Nirvana. Il ne reste plus qu'à mourir.